L'espace est un endroit vraiment mystérieux et attrayant, mais aussi plein de dangers. Des températures extrêmes, des radiations mortelles et un environnement agressif menacent toute créature vivante qui ose s'aventurer au-delà de sa planète d'origine. Mais même dans ce contexte général hostile, il est possible de distinguer des endroits particulièrement dangereux et effrayants. Faisons donc connaissance avec les plus effrayants d'entre eux. Auparavant, nous avons déjà réussi à étudier quelques mondes terrifiants et mortels qui ont été découverts dans l'immensité de l'univers. Certains d'entre eux sont extrêmement chauds, d'autres sont situés à proximité des sources de rayonnement les plus puissantes, et d'autres encore se distinguent par les conditions inhabituelles qui prévalent à leur surface. Cependant, notre liste des planètes les plus effrayantes n'est pas encore épuisée, ce qui signifie qu'il est temps de poursuivre ce voyage. Notre premier arrêt se situe à 202 années-lumière de la Terre, près de la naine orange K2-141. Sa masse est d'environ 0,7 masse solaire, et son rayon est de 68% de celui de notre étoile. Dans le même temps, la température de la surface de l'étoile atteint 4600 Kelvin, soit environ 20% de moins que celle du Soleil. À une distance de seulement 0,007 unités astronomiques de l'étoile, on peut détecter une planète plutôt inhabituelle, appelée K2-141b. Ce monde rocheux est 5 fois plus massif que la Terre, et son rayon est 1,5 fois plus grand que celui de notre planète. À partir de ces données, on peut conclure que la gravité à la surface de l'objet est au moins 2 fois supérieure à celle de la Terre, et que le noyau métallique lourd représente de 30 à 50% de sa masse. Le corps céleste effectue une révolution complète autour de l'étoile mère en environ 6h30. Et en raison de son extrême proximité avec l'étoile, il est en rotation synchrone et lui fait constamment face d'un même côté. Les observations montrent que la température de la partie éclairée de l'objet atteint 3270 Kelvin ou 3000 degrés Celsius. Cela suffit non seulement pour faire fondre la plupart des roches et des métaux, mais aussi pour les transformer en vapeur. On suppose que le côté jour de la planète peut être recouvert d'un océan de lave, toujours en ébullition, et qu'il peut avoir également une atmosphère exotique composée de vapeurs de métaux lourds et de silicates. Dans le même temps, la zone d'ombre du corps céleste est incroyablement froide. Selon les calculs, la température de la majeure partie de ce côté est des dizaines de fois inférieure à celle de la partie éclairée, et peut même atteindre des valeurs négatives. La modélisation mathématique montre qu'en raison de cette différence de température, les vents les plus forts soufflent constamment sur la planète, dont la vitesse atteint 1,75 km/s. C'est environ 5 fois la vitesse du son, ce qui signifie que la surface de K241b est constamment secouée par un puissant bourdonnement assourdissant. On suppose que les flux atmosphériques, ayant touché le côté sombre de l'exoplanète, se condensent et tombent en pluie flamboyante sur sa surface, formant des rivières de lave. Ainsi, le métal en fusion retourne dans l'océan de magma, puis s'évapore à nouveau, formant un incroyable cycle de feu. Cependant, tout ce cycle infernal n'affecte qu'une zone relativement petite de la partie d'ombre de la planète. Cela est dû au fait que l'évaporation du côté chauffé n'atteint tout simplement pas la partie principale de la zone non éclairée, se déposant dans la zone frontalière. Par conséquent, la région centrale du côté sombre de la planète est très probablement un désert de glace délimité par des couches de roches gelées. Cependant, K241b est loin d'être la planète la plus chaude connue. Par exemple, à 670 années-lumière de la Terre se trouve un objet appelé Kelt-9b, dont la surface est chauffée à 4600 Kelvin, soit environ 4330 degrés Celsius. Dans le même temps, les couches extérieures de presque toutes les naines rouges sont nettement plus froides, ce qui signifie que cette exoplanète peut rivaliser avec la température des étoiles. Son étoile mère, connue sous le nom de Kelt-9, est une étoile bleu-blanche d'une masse 2,6 fois supérieure à celle du Soleil. Le diamètre de l'objet est 2,3 fois celui du Soleil. La température de surface de Kelt-9 est très élevée et équivaut à environ 10 170 Kelvin ou 9 900 degrés Celsius. Ce fait explique en grande partie les conditions extrêmes qui prévalent sur la planète voisine. Kelt-9b est situé à une distance de 0,035 unités astronomiques de l'étoile mère et effectue une révolution complète autour du centre du système en environ 1,5 jours. L'exoplanète est une géante gazeuse chaude dont la masse est 2,8 fois supérieure à celle de Jupiter et dont le rayon est environ 2 fois plus grand. D'après les connaissances actuelles sur la structure de ce type de planète, on peut supposer que la partie interne de l'atmosphère de ce corps céleste est encore plus chaude.
Selon les calculs, sa température peut atteindre 11 000 Kelvin en raison des processus d'ionisation des métaux lourds. Cette valeur est si élevée qu'en plus des substances auxquelles nous sommes habitués, comme l'hydrogène ou l'hélium, des vapeurs de fer et de titane peuvent également être trouvées dans l'enveloppe gazeuse de la planète. La proximité de la planète avec son étoile mère et sa température extrêmement élevée lui font perdre progressivement son atmosphère. Le puissant vent stellaire la projette constamment dans l'espace, de sorte que l'objet est entouré d'un nuage de gaz raréfié. Par la suite, cette substance sera attirée et absorbée par l'étoile. Les calculs montrent que l'exoplanète perd jusqu'à 68 masses terrestres tous les milliards d'années. En théorie, après une longue période, Kelt-9b pourrait perdre toute son atmosphère et se transformer en une planète chtonienne. Cependant, son étoile mère atteindra probablement le stade final de son cycle de vie bien avant cela, tout en dévorant et détruisant tous les corps célestes proches. Les objets spatiaux précédents prouvent que les étoiles peuvent non seulement réchauffer les planètes les plus proches d'elles, mais aussi les détruire. Cependant, dans l'univers, il y a des corps célestes qui ont subi la colère de leur étoile mère dans une plus large mesure. L'un d'entre eux est situé à 4570 années-lumière de la Terre, près d'une petite étoile appelée V391 Pegasi. Cet astre est une naine blanche dont la masse est la moitié de celle du Soleil et le rayon d'environ 23% de celui de notre étoile. La température de cet objet astronomique est très élevée et avoisine les 30 000 Kelvin. Mais les réactions thermonucléaires en son intérieur ont cessé depuis longtemps. L'étoile attend maintenant des centaines de milliards d'années de refroidissement lent et de transformation en naine noire. Près de cette étoile banale orbite une planète au destin remarquable, qui porte le nom de V391 Pegasi b. La modélisation mathématique montre qu'elle a non seulement survécu à la perte des couches de son étoile progénitrice, mais qu'elle s'est également déplacée presque à l'intérieur de celle-ci, pendant un certain temps. On suppose que lorsque l'étoile au centre du système s'est transformée en géante rouge, ses couches externes se sont rapprochées de l'orbite de la planète et se sont extrêmement raréfiées. Leur densité était des dizaines de fois inférieure à celle de l'air atmosphérique qui nous est familier, ce qui signifie que les corps célestes, absorbés par l'étoile mourante, ont conservé pendant un certain temps leur intégrité. Bien sûr, ils ont progressivement perdu de la vitesse et sont descendus dans les couches les plus chaudes et les plus denses de l'étoile. Mais l'astre a perdu les couches externes avant que V391 Pegasi b ne fonde et ne cesse d'exister en tant qu'entité unique. À l'heure actuelle, cette exoplanète est vraisemblablement une géante gazeuse trois fois plus massive que Jupiter. Son orbite se situe à environ 1,7 unités astronomiques de son étoile mère, et l'objet met environ 1170 jours terrestres pour effectuer une révolution complète autour du centre du système. On ne comprend pas très bien comment ce corps céleste a réussi à maintenir une masse aussi élevée après avoir été en contact avec les coquilles chaudes de l'étoile. On suppose que leur impact aurait dû détruire complètement l'atmosphère de l'objet. Cependant, il ne fait aucun doute que l'effondrement de l'étoile mère a considérablement modifié à la fois l'orbite et les paramètres de l'exoplanète. Il est donc peu probable que nous sachions un jour à quoi ressemblait V391 Pegasi b, avant qu'il ne plonge dans une mer de plasma déchaîné. L'espace extra-atmosphérique cache de nombreux objets astronomiques aux propriétés les plus insolites. Certains d'entre eux sont presque impossibles à voir avec un télescope conventionnel, mais ils peuvent être détectés en étudiant le cosmos dans la bande radio. Un exemple de ces corps célestes est le pulsar, une étoile à neutrons qui tourne autour de son axe à une fréquence très élevée. Les spectres de ces objets sont caractérisés par des pulsations très rapides et uniformes, de sorte que lorsqu'un corps céleste étranger passe entre la source de rayonnement et un observateur terrestre, il est immédiatement perceptible. C'est exactement de cette manière que notre prochaine cible a été détectée. Elle se trouve à environ 4000 années-lumière de la Terre et est située à proximité d'une étoile à neutrons dont le nom est difficile à prononcer et que vous pouvez lire sur l'écran. Le pulsar a un diamètre d'à peine 20 km et a une masse d'environ 1,4 masse solaire. L'objet tourne à une vitesse incroyable, faisant environ 10 000 tours par minute et émettant en permanence de puissantes impulsions de rayonnement électromagnétique. Ces ondes de rayonnement mortel irradient constamment la surface de l'exoplanète, la rendant un endroit rude et hostile. Le corps céleste lui-même effectue une révolution complète autour du centre du système en seulement 2 heures, et la distance qui le sépare du pulsar est inférieure au rayon du Soleil, seulement 600 000 km ou 0,004 unités astronomiques. En même temps, la surface de la planète est limitée par l'éternel froid cosmique, car son étoile mère n'émet pratiquement pas d'énergie thermique. La masse de l'objet est d'environ 330 masses terrestres et son rayon est environ 4 fois plus grand que celui de notre planète. La gravité à sa surface est donc environ 20 fois supérieure à celle de la Terre.
Les calculs montrent que la planète a une densité moyenne d'environ 23 grammes par centimètre cube, ce qui est supérieur à la plupart des composés connus. On pense que l'objet est principalement composé de carbone cristallin soumis à une pression énorme. En outre, ses couches supérieures contiennent un peu d'oxygène, qui est probablement lié chimiquement au carbone. Il est très peu probable qu'un corps céleste aussi proche de son étoile ait pu survivre à l'explosion d'une supernova. Il est plus probable que cette exoplanète se soit formée après que son étoile progénitrice ait terminé son voyage, laissant derrière elle un pulsar. Selon une autre hypothèse, cet objet pourrait être le vestige d'une naine blanche ayant perdu la majeure partie de sa matière. Dans ce cas, la classification d'un tel corps céleste devient une tâche très difficile. Quoi qu'il en soit, ce monde est sans aucun doute l'un des plus dangereux et des plus hostiles parmi ceux qui se cachent dans les abysses cosmiques. Plus nous étudions l'espace, plus nous en apprenons sur l'incroyable variété des objets astronomiques. Peut-être découvrira-t-on bientôt de nouveaux mondes, par rapport auxquels ces planètes mortelles ressembleront à des paradis tropicaux. Quoi qu'il en soit, chaque corps céleste découvert, qu'il s'agisse d'une étoile, d'une planète ou même d'un petit astéroïde, est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur les mystères infinis de l'univers. Et c'est parti !